Ça peut aussi pallier. Ça peut pallier aussi, même si un sans cette terrain, on peut intervenir facilement. Mais ce qui fait défaut, c'est les effectifs de la logique. C'est la population soucieuse de cette situation qu'ils ont même construit cet hangar pour permettre que la police puisse habiter ici. Si c'est un nombre de 5, avec les tracts de vos amis de l'auditorat, une fois qu'on arrête, si tous les postures à moi je parle, à partir de 18h, 19h, c'est l'opération de postures avec leur moto, ils habitent les 5 de maman, sachant très bien que ça s'étonne là pour les gens regagnent leur moto, ils sont là pour ça. Et quand vous avez un posture, un coup, une aventure, ça pose une réponse avec l'auditorat. Ils sont restés au nombre de 3. Mais ils sont sous commandement chimique. Nous les renforçons avec les petits bouchons. Nous avons un problème très sérieux ici. Le problème, c'est qu'il y a un conflit entre les policiers de Gémi et les policiers du territorial. Ils ne s'entendent pas, ils ne collaborent même. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Mais au moins, ce qui se passe, quand il fait seulement un peu sombre là, c'est fini, tous les garçons sont en insécurité. Mineurs, majeurs, papa, maman, tout le monde, tout passant, vraiment, il est à l'insécurité. Tout le monde est arrêté comme on veut, menotté, ligoté, tabassé, on fait tout ce qui se passe. Et quand vous allez pour poser la question, il n'y a personne qui peut vous écouter. Personne. Les policiers sont prêts à faire de vous ce qu'ils veulent. Ils sont tentés de lyncher, je vous dis bien lyncher. Les gens sont fouettés ici comme des animaux. Et quand vous parlez, non, non, vous êtes vraiment homme à abattre. Il y a maintenant une autre police qu'on appelle, je ne sais pas, il y a des noms ici. Il y a Mbata, il y a Pau. Il y a un certain commandant qu'on appelle... Les... Non, mais je ne sais pas encore. Benjamin? Non, 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 non. Il a un nom là, il a deux syllabes seulement. C'est celui qui a causé maintenant des problèmes à Faye. Je revenais de service vers la direction Sabéra. J'ai entendu les coups de balle du tout. Qu'est-ce qui se passe? Et la rue était vraiment déserte. Curieusement, devant moi, c'était tout un groupe de policiers qui venaient. Et ici, il y a un système de la sous-traitance. De jeunes Koulouna sont utilisés par des policiers comme on les appelle bureau 2. Et ce sont ces bureaux 2-là qui sont vraiment à l'assaut des autres. Alors, quand on descend ensemble avec eux, arrivé juste sur une petite tunnel là-bas, j'entends celui qu'on a présenté comme commandant. Il lui dit, « Token de la Gémi, token de vous panzabango, les lobes à Boyeba. » Je suis là, 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 je su
Ma policier ou la salle ou la déviation des missions. Merci papa. Je suis allé dans la Jeep et je suis allé dans la salle. Je suis allé dans la salle. Je suis allé comportement est mabé, Tokangi. Ça va? L'ami Balé, commandant, au Tikali, la responsabilité de ma belle. Au Yoki population. Banda Tongo, Tikala, ma cambo, Banda Koya Awa. Yo Moko, Oye Awa, Tokani, ma camboza Awa, au Tier, au sélectionnel, policier, Dima, pour la personne à la confiance de la population, au Sanaï Awa. Vous mes alliés, la porte à la tête sans police, mais il faut police pour réduire les soldats. Les devoirs de l'autre, c'est ça. Nous avons un génie à l'ouest, le Tikalika Kayo territorial. Donc, on aura plus de profit après deux jours. Donc, comment tu es à la carte? Et nous avons un commandant à la main à expliquer pourquoi ce comportement. Comme ça, le titre de la commandant territorial est à organiser quartier non seulement. À fin de la vie, sur ma policier. Sous-traitance et l'équipe. Yango, soit ça n'est pas policier. Sous-traitance et Tokangi Bango. Parce que, Baza connu. Voilà. Alors, Tokangi Bango. Voilà. Et ici avec la GU, deux bandes de moi je pensais que les autorités ne pouvaient pas prendre en charge la détection sur les canamabélé. Je pensais que les autorités ne pouvaient pas prendre en charge la bandit. Commandant d'ici n'a pas besoin de terminer la prince avant d'y aller. Mais toi, tu as posé un coufa. Combien de personnes ont coufi dans ma balle? Ceux qui ont tant de lieux, répertoire, ceux qui ont cossi, ils se renseignent. Vous êtes mieux renseignés. Tu as 9. Maintenant, bienvenue à Zalaka. Na Elvis, tu vas de l'autre côté. On a 5 ans. Bienvenue à Ebingate, à part le fils d'un ami à Kola Kendanae. Bienvenue à Ebingate, mais tu vois de l'autre côté. Commandant district, il y a commandé au roulage. Si tu as terminé la prince, tu as terminé la prince. À ce moment-là, tu as mis tout le monde. Général, on a reçu un abino au changé de commandant district. Pour la carte. Je ne sais pas quand tu as
Mais si nous bien changé, nous avons passé à la fin de la conduite. Général, nous avons passé à la fin de la conduite. Nous avons passé à la fin de la conduite. Nous avons passé à la fin de la conduite. Nous avons passé à la fin de Il faut que nous soyons là. Les arbres ne sont pas les mêmes, alors qu'ils sont les alors, première mesure, il y a toujours il était question d'évaluer, de contrôler, d'inspecter les instructions qu'on a données, où en sommes-nous. Et là où nous sommes, vous voyez qu'en dehors, l'insécurité décriée dans beaucoup de quartiers et les dispositions qu'on avait prises pour stopper cette insécurité, réduire cette insécurité, toutes ces mesures sont bel et bien en place. Sauf qu'ici, on a trouvé effectivement des policiers qui ne doivent pas être appelés tels parce qu'ils n'ont pas reçu une formation telle, ils ne sont pas dans les effectifs de la police, ils ne peuvent donc pas toucher aux équipements de police parce que les équipements de police, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les manipuler, sinon c'est un danger contre eux-mêmes les utilisateurs et contre la population qui devrait bénéficier de ces matériels. Le même cas peut être trouvé dans d'autres SIAT. Est-ce que vous avez un message contre beaucoup plus ou un message à lancer au commandant qui contrôle les SIAT? Le message est clair. Le dernier ou la dernière formation dans la police date de 2017. Et on ne peut pas croire qu'en 2024 ou en 2021, il y a un policier de rang qui a été formé. C'est pourquoi ils sont immédiatement interpellés. Et ils vont être entendus sur procès verbal et les conséquences vont être tirées. Non, les Kounouna libérés, moi je ne crois plus à cela ces derniers temps. Parce que depuis qu'on a commencé la traque, tous les Kounouna qu'on a arrêtés sont bel et bien en prison après leurs 48 heures à la police. Après avoir été verbalisés, ils sont mappés par les autorités judiciaires. Nous sommes venus nous rassurer et leur assurer que nous déployons des policiers pour leur sécurité et que tout cas de déviation doit nous être rapporté ou informé pour que nous puissions prendre des mesures d'encadrement des hommes que nous envoyons les sécuriser, qui ne doivent pas faire autre chose que ça. De l'évaluation, comment évaluez-vous la collaboration entre la police et les bourgmestres de certaines communes qui facilitent aussi la traque de certains criminels très recherchés? Vous avez vu, de toutes les communes, chaque bourgmestre était là présent. Et ce qui montre qu'ils se mettent et ils s'investissent dans l'action de la police. Vous avez vu, ils ont fait des déclarations à tout le monde de suivre leurs déclarations et vous verrez que ce sont des hommes engagés. Ils sont prêts à accompagner le chef de l'État dans sa vision en matière de sécurité
des personnes et de leurs biens. Donc les bourgmestres nous accompagnent dans cette action. Tout simplement, il faut noter que nous sommes en train de dénicher aussi les brebis galaises qui pouvaient se retrouver dans la police, qui, au lieu de faire la mission, de pratiquer autre chose. C'est là que nous sommes. Et ceux qui sont arrêtés pour avoir violé des consignes, ils vont aller acquis des droits. Ils ne vont plus revenir ici, là où on les a trouvés, à moins qu'ils soient en règle, c'est-à-dire qu'ils soient formés et qu'ils soient redéployés. La police est conditée dans la chambre de Nangaï. On repèse la police jusqu'à présent. Mikacha, la document, mettre en Nangaï, il y a des téléphones. 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 Il y a des présentation, vous êtes en haut de l'eau.
C'est d'abord notre police nationale congolaise pour les professionnels. La commune de Makala était en proie à fort taux de délinquance et ces délinquances étaient animées par ces criminels multirécidivistes, les tristement célèbres M. Songo. Mais aujourd'hui, nous voyons l'inspecteur provincial de la police qui a mis
une politique de proximité attentive, laquelle politique vient de produire des résultats escomptés. On vient de mettre la main sur ces grands terroristes et depuis qu'ils sont aux arrêts, la calmie s'observe sur l'ensemble de la municipalité. Nous pensons que nous devons encourager le général pour cette politique et voir qu'avec lui, nous pensons que vraiment la quiétude et la paix va régner sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Voilà ce que je peux dire, c'est remercier encore une fois de plus la confiance du premier d'entre nous, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'avoir porté son dévolu sur des personnes qui sont pétries d'une bonne expérience afin de ramener la paix. Parce que la police nationale congolaise a reçu pour mission première, conformément aux dispositions pertinentes de notre Constitution, la protection des personnes et de leurs biens. Ces gens que vous voyez par devant vous, ce sont vraiment des terroristes, au même titre qu'Oussama Ben Laden, parce qu'ils pénètrent les maisons, ils violent, ils pillent. Et tout récemment, ils avaient monté une opération où ils avaient ravi plus de 15 000 dollars en termes de bijoux. Est-ce que vous avez lancé le message à la population de Makala? Vous pouvez lancer le même message à Lingala? Oui, oui. Na Lingala, c'est vraiment trop simple. Nous avons administré Nabiso, Bamekako collabore avec la police nationale congolaise parce que la paix dans une société, c'est cette synergie d'action entre. Baza bombe à retardement, c'est une véritable arme sans dispositif de sécurité qui risque de se découper brutalement à la figure de tout le monde. Nous avons une collaboration franche entre la population et la police nationale congolaise de manière à ce que tout dénoncé bateau boyé base à la vraiment la bicycle et singeli parce que baza bateau et bazo s'aimait terreur n'a qu'à contrer la bison. Congolaise, ville province de Kinshasa. Mon général, visite de travail terminée. À vous autres.